Ok, il y a un mec là. Tiens, bah voyez, lui il part en build fight contre moi. Il a perdu la hauteur. Hey, je veux pas mal. Je me dis vite fait, il y a la zone qui arrive. Non. C'est la zone qui va me tuer. Allez, allez, il a une balle, il a une balle. Ouf. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Island Royale. Il s'agit d'un Battle Royale disponible sur Roblox, qui est tout simplement un copier-coller de Fortnite, on peut se le dire. Sachant que le jeu est quand même très intéressant, et ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est qu'il est vraiment très dynamique. Tout est fait en gros pour qu'on puisse rotate rapidement. Il y a des failles un petit peu partout, on en trouve très facilement, on a des parachutes aussi, et la map n'est pas forcément très grande non plus. Donc vraiment, tout est fait pour le rendre le plus dynamique possible et qu'on puisse taper un max de kills dans la partie, sachant que les games sont quand même très rapides aussi. Donc je trouve ça vraiment pas mal au final, c'est vraiment bien fichu. Sachant que, bien évidemment, le jeu est plus casu que Fortnite, hein. On est sur Roblox, les gens sont pas forcément des bêtes d'IM ou quoi. Mais justement, ça rend le jeu tranquille aussi, c'est détente, et c'est assez sympa. En plus, ils ont également mis le mode sans su sur ce jeu, ce qui fait que, encore une fois, ça favorise le côté kill et tout ça, donc c'est assez cool. Cette vidéo fait également partie de la série sponsorisée que je fais sur Roblox, du coup merci à eux encore une fois, et je vous rappelle que vous avez le lien du jeu directement dans la description. Sur ce, on va passer à une game solo, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, je vous propose qu'on fasse une game très agressive. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais drop dès le début. Dès qu'on peut, je drop, et je vais essayer de jouer avec le minimum possible, on va dire. En gros, j'ai une arme, je vais me battre. Après, on va voir, parce que si j'ai vraiment plus de balles dedans, forcément, je vais pas non plus aller me suicider. Mais je vais essayer vraiment d'être le plus agressif possible pour taper un max de kills dans cette partie. Et ça pourrait être sympa. Donc, déjà... Première chose, je pense qu'il y a pas mal de monde ici. Ok, c'est quoi? C'est une arme là en violet ou pas? Ok, ok, ok. C'est une arme. Ça compte. C'est moche, mais ça compte. Allez, hop. On va faire ça comme ça. C'est parti. Hein. On est là pour enchaîner maintenant. Alors là, ce que je viens d'avoir, c'est une faille. Hein, en gros, il y a juste... Bon, je vais quand même boire ma popo. Il y a juste différents types de failles dans ce jeu, mais en gros, ça fait la même chose. Hein. Ça nous propulse en l'air, c'est ce que vous connaissez déjà habituellement. Hop, on va redescendre là. Ok, j'entends un mec en bas. Pareil, on entend très très bien les joueurs, c'est très cool de ce côté-là. Il est là-haut. What? Oh. Ah, je suis mal. Il jouait pas mal en vrai. J'ai mal visé, mais en vrai il faisait des beaux moves pour m'empêcher de le viser surtout. C'est quoi? C'est une warp? C'est une mini? Ouais, non, du coup c'est pas la même que j'ai. J'ai juste plus de balles de mon arme secondaire. Ouais. Okay. On va prendre ça en secondaire, c'est pas plus mal la petite PM. Ok, lui il avait pas de son. Alors il y a quand même pas mal de Bambi, hein. Il y a des mecs genre vraiment... genre je sais pas, des fois on leur tire dessus, ils captent rien, c'est un peu bizarre. Mais il y a quand même des joueurs qui sont pas mauvais du tout, alors ça construit pas comme sur Fortnite. Mais voilà, les mecs ont pas mal d'IM, ils font des moves en mode... on voit qu'ils savent jouer quoi. Et par contre il y en a d'autres qui sont vraiment très très chauds également, bon c'est beaucoup plus rare. Mais il y en a des fois qui font des build fights de ouf, genre ils construisent vraiment comme des dingues. Freeze et les mecs sont chauds. Déjà lui on voit qu'il a des réflexes, voyez. Genre je lui tire dessus et construit direct. Ok, il a faille. Il est là-haut.
Ah non, j'ai plus de balles. Non, je l'avais bien touché. J'ai ça aussi pour finir. Nice, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors par contre, maintenant, pour aller loot, ça va être compliqué. Surtout que j'ai plus de balles, du coup, de SMG. J'ai des balles de shotgun encore, c'est bien. J'ai des balles sur ma scope rifle, vous avez eu, c'est assez OP. C'est la thermique, hein, du coup. Mais la thermique est très très bien sur ce jeu. Ah, et je vois qu'il a... Il avait pas de balles de... Ah si, ça y est. Nice. Ah, la SMG que j'ai en violette, comme ça, elle est vraiment OP sur ce jeu en plus, donc c'est très très cool. J'ai deux pads. Je vous ai dit qu'on allait jouer agressif, on y va. La construction, bon, on s'en fait assez facilement, vu qu'il y a le mode sensu aussi, donc c'est assez cool. Oh là, attention. J'ai entendu que ça tirait, je sais pas si c'était sur moi. Non, c'est là-bas. Ah, par contre, c'est hors zone. Est-ce que je suis joueur? C'est assez loin quand même la zone, mais après je peux voir. Faudrait que je tue le mec dans le dos, que je tue le deuxième et ensuite. Ensuite je feed. Où est le deuxième? Il est pas là? Tant pis, je m'en vais. J'en ai eu un au moins. Ah là là, ouais, en plus la zone, j'avoue que je vais pas mal la prendre. Là, je suis super loin, c'était vraiment très greedy ce que j'ai fait. Surtout que j'ai pas de heal. J'ai pas de soins, j'ai encore un pad. Ah, ça va, je suis un peu sorti de la zone, mais. Ok, j'aurai un feu de camp après. Ils ont un item qui est très sympa sur ce jeu également, c'est qu'en plus du feu de camp, ils ont mis. Ah, mais j'ai des petits freeze là, je sais pas ce que j'ai. Oh là là, il me fallait vraiment ce kill. Il me fallait ce kill pour me heal sur lui. En vrai, je suis pas bien du tout, je suis pas bien du tout. Ah, je sais pas si ça va passer, hein. Ça va être chaud. Allez. Allez, 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 il faut que ça passe. Normalement, ça passe, je pense, mais ça va être serré. Après, avec le feu de camp et les popos que j'ai, ça devrait passer. Mais j'étais greedy de ouf là pour le coup. Après, j'ai pas de chance, la zone était tellement loin aussi. Ok, il y a un build à gauche, ça se trouve, il y a un mec aussi dedans. Ah ouais, il est juste là. Oh oh. Oh là là, oh là là. Le placer là. Ok, je me heal. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, non, j'étais en train d'expliquer, je crois que en plus du feu de camp, ils ont un item qui est à peu près similaire, sauf que c'est une torche qu'on place au sol, et en gros, elle nous remet du bouclier au fil du temps, et non pas de la vie. Donc c'est exactement comme le campfire, hein, mais pour le bouclier, en gros. C'est assez stylé, j'aime bien. Oh. Bah vas-y, loot, toi. Je dirais rien. Oh non. Oh là là, je me suis embrouillé dans les switch. Bah, d'ailleurs, je viens d'en avoir une torche. Mais j'ai des petits freeze. Là, je sais pas ce que j'ai. D'habitude, j'en ai pas. Je sais pas si c'est avec le record ou quoi, mais c'est bizarre. Du coup, j'avoue qu'il y a certains fights où j'ai du mal. Un petit peu bêtement. C'est dommage. Ça va, j'ai encore 1000 métal et tout. C'est assez cool. Bon, par contre, faudrait pas qu'on me fasse tomber. Y a un mec. Il y a deux mecs qui se battent à droite. Ouais, mais là je vais encore me mettre dans le mal si je les joue. Je vais aller directement dans la zone, je pense. J'ai faim, j'ai envie d'avoir des kills. Vous le savez, mais je peux le jouer avec le scope au pire de loin. Parce que tout à l'heure j'ai quand même failli me ruiner ma game juste pour ça. Ok, il est là-bas. Oh bah, il était une balle. Oh, j'avais pas vu lui. Ah, la SMG est quand même très très puissante, hein, sur ce jeu, encore une fois. Limite, je préfère avoir ça qu'un fusil à pompe, hein, la plupart du temps. Bon, du coup, il reste 4 mecs. 4 mecs, je suis à 11 kills pour le moment. Il me reste un slot, je prends quoi? Non, non, il n'y a rien d'intéressant en fait. Ah, le heavy shotgun, alors si, par contre. Alors celui-là, c'est vraiment le fusil à pompe du jeu. C'est un peu le chasseur du jeu. Enfin, le chasseur qui n'existe plus, hein, désolé. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, les gars.
Je sais que ça gueule pas mal par rapport à ça en ce moment. Ok, je lui ai mis quelques balles plutôt intéressantes à lui. Oh. Allez hop. Encore une fois, hein, la thermique est quand même très badass sur ce jeu. En plus, il me semble que c'est du hitscan. Alors après, des fois, j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait précise. Mais ça reste quand même une très bonne arme. Rocket Launcher. Je suis pas très fan hein, sur ce jeu du Rocket Launcher. En vrai, il est OP. Hein. Qu'on soit d'accord, il est OP. Hein. Je suis pas en train de cracher dessus ou quoi. C'est vraiment une arme totalement OP. Mais je sais pas, des fois, il est un petit peu buggé, j'ai l'impression. Et du coup, je suis pas forcément très très fan. Ok, il reste encore un autre joueur en plus de lui, donc faut que je fasse quand même très attention, n'est-ce pas? Faut que je fasse très très attention. Attendez, il est où? Il est encore là? Ouais, il est encore là. Il m'a pas vu, je crois. Allez, on va tenter le rocket. Bon, en l'occurrence, j'étais un peu loin, c'est normal que je suis pas là. Ok, il reste plus qu'un joueur, du coup, 1v1. 1-20 final. Et ça va, c'était une game assez chouette. Oh, c'est quoi ce shotgun? J'ai jamais eu sûr. C'est le tactique, mais en... Ah, je sais pas s'il est mieux que le Eevee, du coup. Parce que le Eevee, il est vraiment très très bien. Le tactique, c'est un peu l'auto. Mais bon, vu qu'il est en légendaire, je vais le tester. Après, franchement, ce jeu, toutes les armes sont viables. Hein. Vraiment, toutes les armes sont très très bien. C'est pour ça aussi, genre, il y a des mecs que je tue, on peut avoir l'impression qu'ils sont pas ouf. Et peut-être qu'ils sont pas, hein, parce qu'il y a vraiment des mecs qui... sont pas exceptionnels sur le jeu et bon ça c'est voilà, on est sur Roblox hein, c'est normal, mais il y a quand même des mecs qui parfois sont très très chauds et qu'on va tuer très vite parce que sur ce jeu on tue très très vite mine de rien avec les armes et donc on n'a pas forcément le temps toujours de réagir. Il y a aussi ce côté là bon, en tout cas la game est sympa. 13 kills, ça me ferait 14 si je gagne. Juste il faut que je trouve le mec, ça peut aller très vite hein, si je prends une balle de snipe ou quoi, on sait jamais. Alors ça, ce sont des failles naturelles aussi qu'il y a dans le jeu, c'est un truc que j'avais pas parlé. Enfin, dont je n'avais pas parlé, pardon. Mais c'est très très cool. Alors, je veux pas la prendre parce que les failles sont pas toujours au-dessus. Des fois, elles sont un peu décalées, donc il se peut que ça me fasse TP dans la zone. Donc c'est pour ça que je la prends pas. Mais c'est très très intéressant. C'est très intéressant, ça permet bah, encore une fois de rotate très vite et de vite aller chercher du kill. Là, franchement, regardez, on est à quoi? On est à 10 minutes de game. Je suis sur une 13 kills. Vraiment, je vous dis, ça enchaîne, c'est pas mal, quoi. Il y a vraiment de l'action. Et ça rappelle un peu les débuts de Fortnite, en gros, c'est vraiment de l'action. Il me semble qu'il m'a tiré dessus, hein, c'est pour ça que je me... Ah ouais, il m'a tiré dessus de là-bas, non? C'est lui? Ouais. Ok, j'allais dire, il a pas l'air très ouf, mais faut que je fasse attention, parce qu'il a un sniper, quand même. Je vais mettre un petit campfire. Enfin, la torche, comme je vous avais dit. Ah, je le vois, il est dans la zone. Hein. Non, par contre, s'il meurt de la zone, non, c'est bon. Ok, il y a une balle de mourir. Mais ça rappelle ouais, les débuts de Fortnite avec les vraiment un petit peu de build, pas trop. Mais du coup, c'est beaucoup plus agressif. Et ok, il est mort de la zone. Bon, c'est quand même moi qui ai le kill. Et ouais, non, du coup, c'est beaucoup plus agressif. Et c'est moins bah, la méta actuelle de Fortnite où c'est vraiment les kills en fin de game, dans des box et du placement et tout ça. Là, c'est vraiment plus à l'ancienne, vraiment avec le côté rush de joueurs et tout ça. Ou le côté Fortnite encore actuel si on joue en game casu, bien sûr. Mais c'est vrai que les casus, j'ai plus de mal avec Fortnite actuellement parce qu'il n'y a pas le mode sans suite dedans. Et j'avoue que c'est un truc dont j'ai du mal à me passer actuellement. Donc, je préfère jouer en partie classée directement. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa, hein. C'est sympa les parties classées, mais voilà, les gens jouent vraiment leur life, donc c'est vraiment sur la fin que ça joue. Ce qui est assez cool aussi, c'est une méta intéressante, mais du coup, c'est moins cool, on va dire, tout le long de la game. Le long de la game est très très slow pendant 10 minutes, et en gros, tout se passe vraiment à la toute fin, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vrai que ça permet de avoir des games un peu plus actives tout le long de la game, et c'est assez sympa, non? Franchement, c'est plutôt kiffant. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt.